Alors que se prépare l'avalanche des sorties de nouveaux jeux pour la fin de l'année, Nintendo a invité No Life à découvrir ses toutes dernières nouveautés. Je suis en train de jouer en avant-première à Metroid Prime Corruption. On commence avec Metroid Prime 3, le troisième opus de Retro Studio qui prend place désormais sur Wii. L'entrée en jeu commence de manière interactive. La narration se passe comme dans Half-Life, où le joueur est toujours en contrôle de son personnage et de ce qu'il regarde. Le point qui inquiétait le plus les fans, ce sont les contrôles. En effet, Metroid Prime sur Wii se joue désormais avec la combinaison Wiimote Nunchuk. Mais nous avons été agréablement surpris. Cette combinaison se révèle vite très efficace. Et il y a même des nouveautés intéressantes dans l'interaction avec l'environnement. Il n'est pas rare de devoir tirer la Wiimote en arrière pour que Samus tire un levier. Au niveau scénario, nous dirons juste que le jeu commence avec l'évasion de Dark Samus. Et bien que le gouvernement tâche de mettre en place des contre-mesures avec les chasseurs de primes, tout se précipite. Ouais, là, ça y est, c'est la baston, c'est l'invasion. C'était ensuite le moment de découvrir Super Mario Galaxy, le premier Super Mario de salon depuis Mario Sunshine. C'est dire s'il est attendu. Alors là, c'est Mario Galaxy et je suis en train d'essayer d'attraper des lapins un peu facétieux qui vont m'expliquer comment se passe le jeu. C'est un petit peu le tutoriel en fait. Ah, j'en ai eu un. Dans cet épisode, Mario est appelé à la rescousse par une nouvelle princesse, Rosetta, qui lui demande de rassembler des étoiles. Pour cela, il devra explorer des niveaux constitués de mini-planètes, présentant des challenges originaux dans le monde de la plateforme. Non seulement on peut se balader tout autour des planètes, mais aussi l'accent est mis sur l'influence de la gravité. Il faudra éviter de tomber dans les trous noirs, mais aussi reconstituer des portes stellaires pour se faire propulser à la planète suivante, jusqu'à pouvoir libérer l'étoile du niveau. Super Mario Galaxy déboussole pas mal le joueur au début, mais on se prend à rapidement retrouver le fameux gameplay Mario. Comme pour Metroid, les contrôles mettent en jeu la Wiimote et le Nunchuk. La première pour viser, car l'on peut récupérer et lancer des météorites pour déboussoler les ennemis, et le second pour se déplacer. Alors là, je vais essayer Wii Fit. Enfin, nous avons pu nous exercer à Wii Fit, ce fameux programme de fitness utilisant le tout nouveau tapis Pèse Personne. Wii Fit est un appel clair au grand public dans la lignée de l'entraînement cérébral et propose de la même façon tout un tas d'options afin d'établir le suivi de son profil. C'est pas évident, hein? Au menu, une quarantaine d'activités, stepper, stretching, yoga, mais aussi des mini-jeux qui mettent à rude épreuve votre sens de l'équilibre. Le tapis est solide et fonctionne sur pile. Nous avons pu aussi voir le nouveau Zelda sur DS, Phantom Hourglass, qui reprend la présentation graphique de Wind Waker. Eh bien là, je vais jouer à la version preview de Zelda The Phantom Hourglass en français. Ici, on dirige Link entièrement au stylet, que ce soit pour se déplacer ou pour dessiner la trajectoire du boomerang. Un jeu bourré de bonnes idées au niveau interface et qui sera en plus le premier Zelda jouable online avec la possibilité d'affronter un ami. Et ben maintenant je vais jouer à High Training, la version japonaise. Pour terminer, nous avons découvert le tout dernier volet de la saga des entraînements.
Après l'entraînement cérébral et l'English Training, voici l'entraînement visuel. Construit sur le même modèle que ses prédécesseurs, les mini-jeux font jouer à la fois l'acuité visuelle et la mémoire du joueur. D'accord. Oui, bah c'est le nombre. On le savait déjà, mais Nintendo confirme qu'ils sont capables de faire avec une facilité insolente le grand écart entre les attentes du public le plus néophyte et les exigences des gamers les plus caractériels. On se demande juste combien de temps ça va durer et jusqu'où ils vont réussir à aller.